Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediff du Not So Berry. Nous sommes donc toujours dans cet appartement de marde. On va bientôt déménager, mais pour l'instant, il faut juste qu'il grandisse, enfin qu'il vieillisse, parce que le jeu n'a pas voulu qu'il fête son anniversaire, vu que c'est buggé. Donc, on va attendre qu'il le fasse tout seul, sachant qu'il est encore en train de clignoter. Ouais, vous le voyez un petit peu quand même. Et puis, voilà, une fois qu'il aura vieilli, qu'il aura chopé ses rides, on pourra enfin se casser de cet appart pourri et refaire notre vie ailleurs, dans le nouveau quartier du Mont Komoribi. Comme ça, voilà, on explorera un peu plus tous les jours le nouveau monde, quoi. Je m'en fiche des adoptions et des gens qui m'appellent. Ah oui! J'allais dire, il dort, mais il est 15 heures en fait, donc c'est oui, c'est une heure normale pour appeler des gens. C'est juste que eux, ils sont tellement décalés que je suis décalée avec eux. Et comme il fait moche dehors, j'ai cette impression qu'il fait nuit, mais en fait, il fait pas nuit du tout. Ah non! C'est quoi ton problème? Va bouffer. Oh, attention toi. Mais voyez bien qu'il n'y a plus ça. Hein. L'action, elle est annulée. Hein. Elle commence déjà à me casser les pieds. Je te jure. Ça va, son père s'est pas réveillé. Bon. Et tu peux pas encore un peu plus aller lentement là. Allez. Encore plus lentement que ça. Ouais. Là, elle va plus vite quand même, hein, maintenant. Bon! Et salut Mystique, comment on va? Et oui, je vais dire salut Madame Jimmy, non. En vrai, tout le monde se plaint que c'est pas en mode vert les Sims 4, mais je trouve ça cool qu'on puisse se promener dans le quartier et voir plein de Sims. Ah bah oui! C'est pas un monde ouvert. C'est plus ouvert que les Sims 2, hein. Ça c'est clair et net, hein. Sims 2, tu vas devant ta baraque, tu peux pas aller, tu peux même pas traverser la rue, ou quasiment, quoi. Ok. Mais arrête de saloperie de gamine! Ah, autant te coucher. On va se marrer quand j'aurai envie de refaire. Mais purée, mais ta tronche! Pourriture! On va finir au grippin, hein, celle-ci. Oh, bon sang! Elle le fait exprès, hein! Arrête! Mais c'est pas vrai! Ouh, purée! Je vais me la faire. Oh, je vais me la faire. Elle commence déjà à m'emmerder. Pardon, tabarnak. Tu l'as foutu où ton assiette? Zen. Zen, Shirley, Zen. Quand tu referas le challenge, cette bambin, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Ah, tu vas prendre de la drogue, oui. Un bon pétard, sa mère, là, pour détendre. Salut Lika, comment tu vas? Coucou Marine, coucou Tiff, coucou Guillaume, comment vous allez tous? La sale gosse. Ah oui, j'ai vu Guillaume. Premier hurlement de Shirley et le Limfek commencé. Sortez les pop-corns. Ouais. T'as vu Marine, les thugs du 17e là? Ah, et ils m'ont mené la vie dure là aussi. Hein. Je sais pas ce qu'ils avaient, mais laisse tomber. Hein. Ils étaient dissidents dans cette maison. Attends, je surveille parce que. Ah, bah ça y est! Oh, ça y est! On va pouvoir déménager. J'bouing! Allez! Ouais! Copper a vieilli! Allez, pour le coup, tu vas te prendre une douche froide, mon petit. On va prendre une douche froide. Allez, on va commencer à. Ah! Ça se voit que c'est une fille, hein. Insupportable, hein. Comment ça, c'est sexiste? Ah bah, relou, hein. Alors, on va mettre les portraits. Hop! Bah, ça y est, maintenant on déménage, on se casse, hein. C'est bon, hein. Là, hein. Suffit, là. Tout ce qu'on peut emmener, on l'emmène. L'ordinateur, pareil. Tout ce qui coûte de la thune, on le prend. Allez, même le pot de fleurs, on le prend. Allez. On va peut-être garder quand même le frigal. En vrai, je pourrais garder tous les meubles pour faire une économie. On a 20 000 pour déménager, c'est pas mal, hein. Faudrait juste qu'on ait.
des chambres séparées pour les gosses, quoi. Là, ça va pas le faire. Salut Jess, comment tu vas? Salut Banner, comment tu vas? On laisse les gamins. Non, malheureusement, on en a besoin pour la suite. Je te l'accorde, hein, ils sont pas pour l'instant, ils seraient pas indispensables. Moi, je veux bien les récupérer qu'une fois ils sont adolescents, tu vois, parce que tu vois mieux leur tête et tout. Mais là, je pense pas que le jeu va me laisser faire. Et chaude comme la braise. Donc j'ai pris ça. C'était le plus important, les cadres. Et puis bah après, go, hein, les enfants, on va déménager, on se casse. Hein. Alors c'est dans voiture. Déménager. C'est pas grave si on rachète tout, on s'en fiche. Nous on est des fous, on va construire une maison. Oh! Alors j'ai pas envie hein, de construire une maison, je vous le dis tout de suite. Hein. Est-ce que je prends une maison de une coquille que je fais ou quoi ou ça va? Ça va bien, Chess? Et Vanner, ça va bien. Et Relinette, oui, il y a deux Linettes. Ouais. On a deux Linettes, on a de la chance. Oh, coucou mon soldat, je t'ai pas vu! Comment tu vas? On peut mettre les gosses dans l'inventaire aussi pour qu'ils chialent plus. Oh, si c'était si simple que ça, je pense que ce serait facile, mais. Ah, elle regueule. Mais elle a quoi? Oh là là. L'enfer. L'enfer sur terre. C'est faire des gamins dans les Sims. Voilà, allez hop. Chuit. Dégage. Une coquille. Bah enfin Copper, on t'avait fait souffler ton gâtal, mais t'as pas voulu vivre. Hein. Alors t'as pas le droit d'avoir un mood d'être triste parce qu'on t'a pas fêté ton avis. Exactement! Allez, on se cassos! Oui, bah oui, c'est là maintenant. Par contre, ils sont bêtes, hein. Alors, soit ils auraient dû réduire les espaces entre les trucs, parce que là, c'est un peu, il est un peu perdu tout seul derrière, quoi. Ou réduire le petit rond. Pour que ce soit. Mais. Regardez. Bon, du coup, on n'a pas trop de choix. On prend le petit terrain vide, 20 x 15. Ou on rase. Bah, de toute façon, c'est 20 x 15 ou 20 x 15. Hein. Voilà. On n'a pas trop le choix. Et puis on va juste. Parce que comme j'ai exploré ici en live, dans cette maison, je connais un peu ici, mais on va venir là. Je pense qu'on va aller là. Voilà. Garder les meubles. Oh, on va garder les meubles, allez. Allez, c'est parti. Ah, oh, je suis désolée, Linette, c'est horrible. Un DST de l'angoisse. Je me suis retrouvée à écrire des trucs qui me passaient par la tête. C'est quoi un DST? Excusez-moi, hein, je suis un peu. Hein. Alors, voilà. Maintenant, quelle maison va-t-on faire? J'adore ça. C'est parti, on va jouer. Alors, du coup, les enfants de la rediff YouTube, j'ai fait cette sublime, incroyable maison. Absolument affreuse, mais si vous voulez voir, pour éviter que je vous la mette en accéléré tout ça et que c'est quand même assez long, je vous l'ai coupé, je vous mets le lien en description, voilà, mais c'est pas en accéléré, vous pourrez voir toutes mes réflexions. Et c'est dans la description. Voilà, maintenant on va jouer dans cette superbe maison incroyable du tabarnak. Alors, lui il avait quoi? Qu'est-ce qu'il voulait? Bah, il va remanger un coup, hein. Elle, je sais pas. Bon, bah tu vas t'occuper des machins. Soins donnés aux bambins. Non, bah non, je non, c'est non, bah non, je sais plus. C'est dans amical, alors réconforté, voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il a? Lui, il a faim. Bah, écoute, mon petit, il y a de la bouffe là, fais-toi plaisir. Hein. Bon, au moins le salon est mignon, mais le reste. Ce mélange orange rose est de toute beauté. Ça va, t'es content d'avoir déménagé? Non, en plus il est triste d'avoir qu'on lui a pas fait souhaiter son anniversaire. Le pauvre bichet. Oh bah tu sais, Popo, Popo. je me suis pas posé de questions moi. Mais bon, c'est pas si facile que ça en vrai, de se lancer.
La maison, c'est toujours mieux que l'appartement pourri d'avant, c'est sûr. Oh, mais Titi, ils se font des zoubis, là. Qu'est-ce que se passe, là? Ils vont nous refaire des bébés et c'est fini, hein, la reproduction, là. Ah, oh, bah, ça y est. Lui, il s'est dit, ah, bah, tiens, moi, je vais squatter et je vais m'en foutre partout, direct. Alors, tu peux aussi venir à la maison. D'ailleurs, tu as besoin d'aller pisser. Alors, papa. Non, papa, il doit travailler. Papa, il doit travailler. Donc, voilà, sur le pot à Miss Sakura. Arrête de regarder la télé. Toi. Enfin, il doit travailler ses compétences. Hein. Niveau 9 de la malice, 6 programmation. Ah oui, l'ordinateur. On va replacer les choses. Hein, parce qu'on a prévu. Un chevalet. C'est bien, il va prendre sa place, ce chevalet. On va le mettre là. Voilà, devant, voilà. Ou pourquoi pas, après tout. Pourquoi pas un chevalet ici? Ça prend de la. Voilà. Et on va mettre les portraits après. Hein. On a deux plantes. Incroyable, mais vrai. Deux plantes à poser dans la maison. Ouais. Ah ouais, je sais, c'est incroyable. On a des tombes. On a un bonnet. Je sais pas pourquoi tu l'as pas acheté à la garde-robe, ça. Hop. Et puis, on a les portraits à mettre. Je vais mettre sur ce mur-là. Ici. Voilà, bon, bah, je vais le mettre tout de suite. Bah non, parce que toi, tu dois bosser. Tu dois bosser. Tu vas bosser de la pâtisserie. Pâtisserie. Faire des graissins et des pâtisseries, du pain. Et là, il m'a fait, je peux pas, il n'y a pas de place. Et toi, je t'ai demandé d'arrêter. Ouais. Mais elle est où, elle? Oh la vache, ils sont lents ces gens-là. Et ouais, du coup, elle veut plus le faire. Allez, on recommence. Voilà. La grenouillère rose éléphant. Ok. Et j'ai encore enlevé. J'ai raté le follow. Mais Wisebot, il est pas là. Du coup, je sais pas qui a follow. Eh ben c'est Laura, merci beaucoup Laura pour ton follow. Heureusement que j'ai le truc de Twitch, hein, moi je vous le dis. Bon, comme ça il bosse. Moi je vais installer les portraits parce que là, plus rien ne va. Voilà, Pepper, Bordeaux, Pulco, Nuage. Et j'ai oublié d'aller chercher son portrait à lui. On vous regarde depuis la télé KFC. J'ai jamais mangé KFC. Jamais. J'ai oublié la poubelle. Bah, comme d'hab, hein. J'oublie toujours la poubelle, de toute façon. Et après, t'iras faire de la programmation, mon petit chou. Programmer. Continuer le travail d'appoint. Ah, ça, c'est bien. Regarde ta sœur qui fait caca. Tu verras, c'est intéressant. Non, regardez, ça veut dire avec les yeux du bon côté. Hein. Ouais, il veut pas. Il a fait caca, Wisebot. Bah ouais, je sais pas pourquoi. Ce Nightbot, lui, il est là, mais c'est Wisebot qui fait grève. Ah voilà, elle a fait caca. Bon, bah le temps qu'il aille là-bas, forcément. Hein. Lui, il a plus besoin. Elle. Tu vas sûrement pas faire l'idiote avec le. Tu vas manger du pain. Et des graissins, vas-y, on s'en fout. Ils vont être obèses, ces gamins, je le sens. Et toi, tu viens manger deux portions. Allez, toi, tu vas manger aussi une portion. Voilà, Bichette! Et elle peut aller sur le pot comme une grande. Arrête! Mais qu'est-ce qu'ils ont? Eh oh! Oh la vache! C'est quoi ces morbacs là? Allez, mon petit! Faut que tu programmes. Qui c'est qui vient? On n'a pas le temps. Zut. Salut gros finot, ça va bien et toi? Je déteste KFC, c'est beaucoup trop sec à mon goût. Bah j'ai jamais mangé, donc je peux pas dire. Alors, où en es-tu en ta compétence? 5. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Encore pas mal de taf, hein. La malice, c'est ce qu'on a mieux arrivé à faire, mais. Et là, ils vont bosser. Bon, au moins, elle s'occupe des gosses. Ah ben, elle est tombée dans les pots.
La gamine est tombée dans les pommes. Allez, va dormir. Style de vie obtenu. Technophile. Eh ben, c'est intéressant ça. Eh ben écoute, tu vas travailler dur toi. Et lui, il travaille. Travaille pas. Donc on peut à fond. Tu vas me commander une nounou. Comme ça, on sera tranquille. On sera grave tranquille. Acheter un service. Une nounou, voilà. Alors, on s'en fout. On va pas publier. C'est pas pour nous, donc on s'en fiche. Voilà, ouais, voilà. Mais c'est pas celui qui venait de passer ? Si. Sauf qu'il là, il est pas, il vient, mais habillé en nounou. Ouais, c'est ça, va bosser là. T'arrêtes. Regardez notre sol tout neuf, tout propre. Qu'est-ce qu'il fait, ce sagouin là? Ah, sale gosse. Allez, va bouffer. Il peut pas aller sur le pot. Tu vas demander d'aller sur le pot à chaud. Bon, arrêtez de parler ensemble. Mais c'est pas vrai. Les thugs. Les sims, c'est des thugs chez moi en ce moment. Bon app, Alex. C'est le vieux qui se tapait la femme de Copper. Tu crois? Bon, là, il a l'air bien. Hein. Arrêtez de parler. Soyez asocial. Exactement. Non, parce qu'il faut qu'il soit concentré pour choper un point de compétence. Parce qu'il faut que j'arrive à avoir de la compétence. Je le dis. En plus, regarde, il fait le ménage. Mais c'est super. On a gagné 334 simflouz. Ah là 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 là, c'est bon ça. On est à un poil de chu. D'arriver au niveau 6. Donc, je vais le refaire. Aller à l'accompagnement de style de vie. Ah ouais, on peut... D'accord, je savais pas. Programmer. Continuer à créer le virus, vas-y. Créer des virus. Et commence à être fatigué. Voilà, niveau 6 de la compétence. Nickel. Oh, je m'en fous, hein, moi. Les gosses, ils sont là pour... Mais dors Boursouflette, va. Même moi, je rigole de ce que je dis. Voilà. Tira, fais un petit pipi et tira dormir. Voilà, 103 simflouz. Voilà, on a engagé quelqu'un, c'est pas pour que tu nous colles au basque. Hein. Tu reviendras quand tu sauras te sustenter toi-même. Non. Tu vas aller sur le pot. Tu vas aller t'entraîner. Et hop, toi, va dormir. Oui, d'accord. Oui, non, c'est vrai qu'il était dans une chambre, mais c'est trop demandé d'aller mettre dans le lit à côté. Vaut mieux faire tout le tour, t'as raison. Puis elle fait des putes. Et hop, lui, il se réveille. Mais il dort enfant. Elle veut un câlin de son père, pas laisse-la la bichette. Non, c'est bon, son père, il est occupé. Son père, il dort. Il est occupé. Ça me fait penser à Boursemol dans Les Visiteurs. De qu'est-ce qui te fait penser à Bourse? Moi, je sais déjà plus ce que j'ai dit. Ah, j'ai oublié de changer la fenêtre. C'est moche. 2212. Allez, papa, va prendre une douche et va te coucher. Voilà. Mon petit nounou, là, il y a quelques trucs à nettoyer. Bah, il a laissé ça. Mais franchement, quelle honte. Mais quelle honte. J'ai honte de vous, monsieur. Vous ne valez pas l'argent que je dépense. Alors, pour info, j'ai aussi partagé tout à l'heure la famille. La famille de Copper avec ses enfants. Si ça vous intéresse. Merci, Louis, c'est gentil. Boursouflette. Ah oui, d'accord. Boursouflette. Oui, j'ai oublié déjà. Non, j'ai pas mis de poubelle. Mais il y a une poubelle dehors, il y a une poubelle là. Quand même. Oh, vous me cassez les pieds avec les poubelles. Je mets jamais de poubelle dans ma cuisine. J'oublie tout le temps cette satanée poubelle. Je les aime pas, les poubelles, c'est pas beau. C'est vrai en plus. Tant que j'y suis, on va décaler la fenêtre de cette chambre. Voilà. Ce sera beaucoup mieux comme ça. C'est pas centré d'extérieur, mais on s'en fiche.
Allez, c'est bon. Voilà. À ce coup, c'est calme. Oh, merci maman qui est morte dans l'au-delà de me souhaiter mon anniversaire. C'est gentil. Enfin, à Copper, hein. Pas à moi. Oh, ce mélange orange-rose, c'est quelque chose quand même. Ce qu'elle veut, elle. Puis alors, les factures. Donc, c'est devenu n'importe quoi au niveau des factures. Je ne vous le dis pas. En fait, je suis en x3. Et là, c'est en ralenti. Dès que je m'en vais en... Elle va bien. Ah, c'est un sim sociable, mon petit copain. Bon, la bichette. Il y a encore des trucs à manger. Hein. Fais-toi plaisir. Tu vas bosser aujourd'hui. Hein. Enfin, tu vas bosser. Il va pas bosser ou aller au travail. Mais il va travailler sur ses compétences. Hop. Tira, prends une douche. Ça coura très fin. Bah, qu'elle bouffe. T'es de la tas de merde et tout. C'est dégueulasse. Tu vas te débugger, toi, ou quoi, Jean-Pierre? Ah, oui, d'accord. Oui. Bah, non, mais tu sais que, quand même, tu t'aurais pu rester. Tu vas nous faire des bagels aux myrtilles. Allez. C'est pas mal, ça. Il faut qu'il augmente sa malice maintenant. Ah mince. Est-ce qu'il peut péter sur ses enfants à cet âge-là? Non, ils peuvent que être méchants. Hein. Ouais, c'est pas drôle ça. Il faut bien qu'ils soient utiles ces gosses. Il faudrait qu'ils grandissent pour qu'ils puissent se repéter dessus. Et voilà, niveau 6 de la pâtisserie. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Tu vas venir t'entraîner à faire un discours. Oh, elle va faire pipi toute seule, c'est trop choupi. Oh, waouh, vous avez là un sacré bazar. On dirait que vous êtes du genre à laisser les choses s'accumuler. Bah, on a juste une nounou qui a pas voulu bosser, quoi. J'ai pas le temps, moi, de recevoir les voisins. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? S'il veut aider, tu vas l'inviter à rentrer. Quand j'ai pas de nounou, j'ai une femme. C'est elle qui s'occupe du reste. J'avoue, cette douche rose en plein milieu de la maison me brûle la rétine. Maintenant, regarde, il y a du rose là. Le festival des lumières a commencé. Le Copper, il subvient aux besoins de la maison. Il fait à manger. Les gamins, ils peuvent se servir quand ils veulent et tout. Ça va, hein, tranquille, Emile. Tu vas faire un petit pipi après. Et voilà, compétence 6 du charisme. Pirater ou créer des virus, ouais. Ah, c'est bien ça. Les bagarres. Il faut qu'ils se bagarrent. J'avais oublié les bagarres déjà la dernière fois. Mince. Alors tu vas aller manger un truc. Faut qu'il trouve quelqu'un dans le... Voilà. Oh, c'est cadeau. Tiens, c'est cadeau de le dire. Tu vas faire une présentation grossière là, tu vas faire ton thug. Va te casser la tronche. Oula, oula. Magnifique. Oh bah celle-ci alors, oh bah dis donc. Ça, c'est un style avec le caca qui sort par-dessus le chapeau. C'est magnifique. Ouais, je vous jure. Et tu viens de te faire engueuler, mais... c'est normal. Méchant, raillé. Alors, on va faire beaucoup de malice sur lui. Hein, comme ça, on va augmenter notre skills. On va lui faire les poches. Bon, je pense pas que ça fonctionne, mais... Décrire l'apocalypse. Oh. Déjà pas mal. Faut qu'il se bagarre. C'est quoi, il y a un gamin dans le coin? Mais on peut pas se varier avec des gamins, c'est pas drôle. Ah bah il est là. Vas-y, on s'en fout du gosse. Tu vas t'excuser, quel est gosse. Non, non, vas-y.
Je t'excuse. Et elle se balade avec une couronne. Mais tout est normal dans ce quartier, hein. C'est original. Ils sont originaux. S'ils sont originaux, on est au Japon. C'est pour ça. Mais arrête de parler avec le gosse! Non mais c'est elle qui fait de la malice à la place, quoi, ça me tue. Bon. Je sens que je vais m'énerver. Je sens que je vais m'énerver très très fort, en fait. Déjà, toi, dégage. Je veux pas te voir. Je peux même pas le virer. Il s'en va marrer. C'est Mardi Gras, c'est ça. On est exactement à Mardi Gras. Il est vénère, lui. Hein. Tendu comme un string. Hein. Allez, mais arrête de bouffer ton truc pendant 10 ans, là. Voilà, c'est ça, tout à fait. Va agresser Kado. Ça. Acheter l'amitié. Énorme. Non, on va lui faire un petit peu de malice. Parce qu'on aime ça. Prétend être un génie criminel. Voilà, paf, on récupère 30 simflouzes. Oh, ça c'est bien. Oh, 17 simflouzes. C'est bon ça. Ça c'est bon ça. Wixona, Zarspa, Usinet, Zisparu, Ya! T'es pas obligé de montrer ton visage tout de suite, Popo. Moi, je l'ai pas montré pendant longtemps et je pensais que j'allais jamais le faire. Ils grandissent quand les gosses? Oh ben, t'inquiète, hein, on a le temps encore un peu, non? Ah, 2 jours! Et 2 jours, évidemment, c'est des jumeaux. Qu'est-ce que c'est? Regardez-moi cette. Lui, il est mort de rire. Il lui fait « Oupsie !» Je me suis frotté à un génie criminel. C'est Copper. Il ressemble à son arrière-grand-mère. Ou quelque chose comme dans le genre. Garça. Vas-y, hein, entraîne-toi, hein, la malice. Et puis après, tu vas le railler un petit peu parce qu'à un moment donné, il faut se battre. Un petit mélange entre la méchanceté et la malice, ça c'est bien ça. Mélange piquant. C'est pas une question de vouloir montrer son visage, ça vis à vis de son travail. Non mais justement, c'est pour ça que je dis t'es pas obligé. Y a aucune obligation. Hein. Son petit fillot. Ça me fait toujours autant marrer. Et encore carnaval derrière. Oh, un petit P. Un petit nuage nocif, là. Tu vas t'excuser, mais après, tu vas le réagresser parce que c'est tellement drôle. Un petit prout. Ouais. Hey, vite. Pardon. Ça me fait rire. Tu vas encore le railler un peu là. Il faut s'énerver là. Se disputer sur l'éducation des enfants. On sait quel genre tu es, monsieur Kado. T'es marié avec des gosses, mais tu t'en fous. Tu couches avec la première venue dans le onsen. Alors. On te connaît, hein. Quand je pète tout, on s'étouffe. Bah, c'est bien, tiens. Ça donne envie. Salut Marine, comment tu vas? Oh! Bah, dis donc! Quand est-ce qu'on peut se battre?
J'ai l'impression, on dirait qu'il va l'agresser, qu'il va l'étrangler, tu sais. Vas-y, offre un prout. Offre un petit paix dans un cadavre. Est-ce que j'avais le goût de me lancer dans la stream vidéo YouTube, car c'est quelques années que je veux faire. Pas quatre chaînes. Ah, bah ça. Salut Pauline, comment tu vas? Par contre, c'est long avant de se battre avec quelqu'un quand même. Elle est avec son gosse. Ça a pas marché. Tristesse. Se battre. Ça y est. Oh, le gros pépien dégueulasse dans le cadeau. Moi, j'adore. Un cadeau pour cadeau. 5 ans. Et on me dit que je suis affecté. Allez, vas-y. Ah, les copeurs. Oh, les copeurs. Allez. Ah, les copeurs. Ah, les copeurs. Allez. Ah, les copeurs. Ah, les copeurs. Allez. Casse-lui le nez. Casse-lui le menton et casse-lui. Oh, attention. Vous êtes prêts? Il y a de la vengeance. Ah. Surtout qu'il fait vraiment pas peur, mais bon. J'aime bien sa tête, il est chouchou. Pendant ce temps-là, je gère absolument pas les gosses. Vous êtes prêts, hein? Attends, est-ce que je me dis ça peut être une bonne miniature, c'est pour ça que je le coupe. Hein. Parce que va savoir ce qu'elle a fait au gamin. Il est content. Oh, j'ai une grosse tête et je suis content. Ça marche de se rebattre avec? Ouais, ça marche. Si je peux faire les trois bagarres là, ce serait cool. C'est dégueulasse son cadeau. Ouais, c'est un gros prout dégueulasse, ouais. La bagarre, la bagarre. On a le droit de ne pas ce qu'on pense sur place publique. Oui, mais après, si tu fais du YouTube, t'es en aucun cas, tu vois. Moi, je dis très, très, très rarement mon opinion sur les choses, parce que déjà, j'en ai pas forcément une. Et je ne suis tellement pas calée sur le sujet que je préfère me taire, tu vois. Mais je comprends, hein, t'inquiète, hein, y a aucun problème. Oh. Allez, encore. Oui, ça y est. On est à la dernière étape. Oh, il faut juste qu'on soit témoin d'un mort d'un cime. Oh, il va falloir qu'on traîne avec tous les vieux possibles. Ah, ça se bagarre. Je pense que Copper... Attendez, vous avez suivi ou pas? Parce que là, il en a gagné 2 sur 3. Allez, dégage. Fous le camp. Nous, on va rentrer. La gamine. Mais tu peux lui lire une histoire, je sais pas, fais quelque chose. Voilà. Sois utile un peu, non? Avec ta gosse, là. Oh, on a bien bossé. Bravo, Copper. Ou tu tues sa femme, Kappa. Ouais, c'est ça. Putain, par contre, c'est un... Pardon, j'ai dit un mot. C'est un peu sale. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? La malice, on n'y est toujours pas. Au niveau 9. On est à 73%. Je vais le faire troller les forums. C'est d'en discuter, vous m'aviez dit. Discuter, troller les forums. Tu vas me troller les forums, mais alors... Masse. Ouais, vas-y, ta femme fait le ménage, au moins elle est utile. Tous les éclairages. Voilà, les petits enfants, ils font dodo. À 3h du matin, c'est quand même normal, on va dire, mais bon. Allez. C'est bon pour la malice, là? Voilà, t'avais raison. Tu peux aller à la maison de retraite, il n'y a que des vieux. Mais il n'y a pas de maison de retraite dans les Sims. Bon, arrête de perturber. Toi, va faire du sport, je sais pas, là. Fais ta vie, mais ne l'embête pas, ton mari. Même si vous n'êtes pas marié, c'est pas grave. Tu l'embêtes pas. Tu fasses...
Ouais, c'est vrai ça, Camille. Je suis plus à côté des autres qu'avec les autres. Ah. J'ai pas compris, Quentin. J'ai pas compris. Oh, c'est cool, on a presque terminé son aspiration, là. Va falloir qu'on traîne avec tous les morts du coin. Tous les morts du coin, tous les vieux. Pardon. Tous les morts du coin. On peut pas faire de la randonnée ici, trouver des Pokémon? Non, c'est pas une vieille celle-ci. Oh là là. Elle, elle est vieille. Il te reste combien de temps avant de crever? 9. Oh, c'est long. C'est quand même long là. Moi, je voudrais une vieille qui soit plaît sur le point de clamser là. Il faudrait qu'on se lance dans la carrière. dans la carrière acteur, hein. Parce qu'avec Kyle, on avait pas mal de morts à chaque fois. Hein. On les a ces plantes là? Je crois qu'on les a dans le debug. Elles sont trop sympas. J'aime bien. Ouais. C'est calme hein, ici. C'est calme et c'est mignon. Qu'est-ce que c'est ça? Des tomates! Oh! Mais il y a des plantes de tomates! I didn't know. Les gosses, ils sont venus jusque-là faire de la peinture, quoi. Alors, comment ça se présente? Ça augmente tout doucement. Ah, t'es fatigué! Non, non, Jean-Claude, tu. Tu continues de troller, là. J'ai pas fini avec toi. Va troller Twitter un peu, tu vas voir, ça va exploser après ton passage. Parce qu'avec un level presque 9 de malice, Twitter. Fallait faire une salle avec une porte pour la fermer à clé. Oh, toi, femelle, rends-toi utile. Nettoie. Bon, lui, il pourrait se pas se coucher. Mais non, mais fais dodo pour de bon, bichette. Bah alors. En fait, la fiche, elle est phosphorescente, quoi. Elle est même éclairée la nuit. Et puis, elle est des deux côtés. C'est très bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Viens nettoyer, hein, dis. Rends-toi utile, hein. Non. Va te coucher, parce qu'après, les gosses, ils vont se lever. Il faut que tu sois utile pour eux. Ah. Qui se réveille? C'est l'anniversaire d'Emmanuela! D'Emmanuela, pardon. De Emmanuela. Eh ben, tant pis. Eh bien, tant pis pour toi. Oh. Tu vas aller accueillir le voisin. Il va donner son cake de merde. Ah bah oui. Le fameux cake. En culotte, sur le pas de la porte, logique quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, tu vas être sympa avec les voisins, hein, au cas où ils donneraient de la thune ou je sais pas, des trucs. Elle a quand même la décence de s'habiller pour recevoir la voisine. Le voisin, c'est pas dérangeant, elle peut rester en culotte. Moscava, J'ai faim et je. Tiens, viens manger ça. Allez, je sais qu'il a faim! Il s'est chié dessus dans la nuit, là. Sale gosse. Il va casser Twitter avec son level de malice. C'est ça! C'est exactement ça. Et là, pour l'instant, il se repose. Il cherche qu'est-ce qu'il pourrait bien troller demain sur Twitter. On a arrêté celui de Copper, elle croit qu'on va lui fêter. C'est ça? Bah non. De toute façon, je vais même pas essayer. Je ferai pas de gâteau. Ça sert à rien. Ouais, c'est l'anniversaire des enfants bientôt! Trop cool! Peut-être qu'on a. Ah non. Qu'on a le gâteau. Ah, vas-y, faites ça sur le pas de ma porte aussi! Hein, on a un lit, hein. N'hésitez pas à pousser Copper du lit si vous avez des envies, hein. Si, on a le gâteau. Donc on peut essayer, mais bon. Tu peux aller pisser, puis après tu nettoieras les.
le bain de mousse à ton fils. Mais là, le bichette, il y a une sale trogne. Hein. En tout cas, il marche bien. Hein. Il est trop choupi. Ils sont trop mignons, les petits, quand même. Ils sont insupportables, mais ils sont mignons. Bon, au moins, pendant le temps où je m'occupe de Copper, je supporte pas les gosses. Et ça, c'est une très bonne chose. Parce que la pâtisserie, ça nourrit pas son homme. Hein. Eh, yipsy. Parce que le gamin, vous avez remarqué, il mange pas. Il commence un truc, mais il le mange pas. Ça me flingue, ça. Là, il est censé manger. Il s'est assis. Il a rien mangé. Il va reposer son assiette. Voilà, parce que sa mère, elle va le laver. Moi, j'ai 4 bambins dans la partie. J'en peux plus. Oh la vache. Ah oh. Oh, il passe à travers le sol. Incroyable, il a des pouvoirs. Il a des sacrés pouvoirs, lui aussi. N'importe quoi. En ce temps-là. La deuxième. Enfin, oui. Je sais plus qui est né en premier, mais on s'en fiche. J'ai pas mis de lumière dans la salle de bain, si. J'ai rien toute. Ouais, on va essayer. Ah ben, en plus, elle clignote. Merveilleux. Merveilleux. Oui, alors j'allais chercher dans l'inventaire, mais non, c'est dans le frigo. What's your dress? Ah, tu vas mettre des bougies après. Oh, et le petit rose, il est habillé en rose et il est tout d'humeur rose. C'est beau, hein? Et il a faim, sa mère. Et ben, il ira manger. Bagel aux myrtilles. Allez! Ah, vas-y, sous ces bougies. Est-ce que ça fonctionne? Happy birthday, Manuela. Elle sait pas souffler les bougies, celle-là. Ouais. Ça ne marche pas. C'est pas grave. Tu peux remettre les bougies. C'est sympa, c'est... On répare le jeu qui crache, mais par contre, les anniversaires, tant pis pour vous, hein. Qu'est-ce que c'est que cette tâche? Vas-y, discute un peu avec eux. Non, non, pas draguer! Oula! Oups. Oups. Oupsie. Attends, je répare ce que je fais parce que je clique trop vite. Voilà. Mais c'est... Racoter des ragots, voilà, c'est bien. Ah, pas le draguer, non? Alors, lui, il est là. Elle, eh ben, toi, tu peux aussi venir manger, choupette, hein. C'est la colère. Je suis un homme en colère. Je suis un homme en colère. Allez, toi aussi. Après, tu feras des pâtisseries. Pff, tu peux en fromage. Bah ouais, je sais. Je sais, je sais. À faire des pâtisseries, des biscuits au sucre. Ce sera pour les gosses. Ça, ils vont être surexcités. C'est chez Malo qui est né en prince, je crois. Possible, ouais. À la limite, tomber par terre, et même si ils ont plus de poils. Eh, ma petite. Oh, bah elle, ça l'a bien nourrie, dis donc. Cool. Tu peux parler avec ton frère un peu, puis après ta mère, elle ira te laver les fesses. Ah bah, maman est partie se... Mmh, du pain au fromage, les enfants, qui c'est qui n'en veut? Mais quoi? Qui c'est? Oh, une vieille! Non, elle est pas vieille. C'est quelqu'un qui fait partie de la famille, ça. Ah, c'est une fille de perle! C'est vrai, on avait vu la dernière fois. Pour la fille de perle, quand même, ça passe, hein. Il y a eu pire. Ah. Non, mais ça, c'est encore la jeune qui est décolorée des cheveux. Ouais, oui. Moi, je veux des vrais vieux, hein. Ah, il faudrait vraiment qu'on... Là, il y a un vieux.
Combien de temps il te reste, toi? Oh! Un jour! Ça, c'est intéressant, ça. Viens te présenter. Viens à la maison. Tu vas passer ton temps à la maison. On va te séquestrer dans une pièce. Tu n'en sortiras plus. Elle va râler qu'on a oublié son anniversaire, tout ça à cause de la config du jeu. Eh oui! C'est pas grave. Non. Ils mourront moins vite. C'est au moins ça qu'on peut se dire, c'est qu'ils mourront moins vite s'ils vieillissent pas tout de suite, quoi. Les mêmes Neymar, la fille de Perle. Ah bah, c'est de famille, hein. Et sa mère était bien pourvue et sa grand-mère aussi, hein. Et que va-t-on dire de la petite Sakura, hein, vu comment sa mère est faite, hein? Par contre, elle fait pipi toute seule comme une grande. C'est incroyable. Elle est poupette, hein. Elle fait papier comme une grande. Toi aussi, tu peux. Oh, bah, t'as pas besoin. Mais c'est pas grave, tu vas y aller, tu vas regarder ta soeur quand même. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah oui, t'as faim. T'as fait les biscuits au sucre? Ah ouais, c'est bien. T'es un bon petit gars. Et le vieux? On l'a laissé passer, le vieux? Le vieux est parti. Bah oui, c'est ce que je viens de voir. Oh non. Viens, petit vieux. Oh, remarque, on n'a pas accès ici. Crotte. Oh. Je suis tristesse. Où est mon petit vieux? Oh, il repassera. Je guette. C'est mignon ce coin, hein. Franchement, c'est mignon. Pourront même aller se baigner. Bah, les enfants, ils iront se baigner quand ils auront grandi. Pour l'instant, ils servent pas à grand-chose. J'ai tellement hâte, si un jour ils peuvent, c'est de développer une action, puis voilà, où on prend un truc en pique-nique, en fait, comme un panier qu'on emmène en pique-nique, et puis pouf, ça, ils s'installent, et puis ils mangent par terre. Un peu comme dans les Sims 3, que ça existait. Je suis sûre que c'est facile à faire. Ils reprennent l'animation des Sims 3 et puis ils font créer juste un objet, en fait. C'est pas très très difficile. Je dis ça, je suis pas développeuse de jeu, hein, mais... Ah, il est là, mon petit vieux! Et ça, c'est une petite vieille? Alice Berry, combien de temps il te reste? Oui, allez, les deux! Oh, on y va! Eh, entre vieux qui vont bientôt mourir! Ça se Bonjour, le VSD d'avoir cramé à la maison, c'est ça? Voilà, il va venir, il va venir. Il va faire connaissance avec ces deux grabataires. Oui, je pense qu'il était parti depuis un moment, mais bon. Je l'ai retrouvé, c'est bien. Nouveau kit pique-nique. Ben oui, pourquoi pas? Enfin, pas en kit, mais. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Mais bon. Viens ici. Ah, il le connaît finalement. Il lui a pas parlé, mais il le connaît quand même. Où es-tu, Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Clin? Ah, il y avait un autre vieux là. Un autre vieux qui était habillé à la Caleb. Ouais. Et sinon, vous savez que vous allez bientôt crever, vous venez quand vous voulez à la maison, hein. Moi, ça marche, hein. Mais vas-y, et l'autre là? Casse-toi, toi. Dégage. J'aime trop cette fonction giveaway. Je m'en sers et je m'en resserre. Ta main, elle est trop bien. Mon prof de CP était fan de vélo. Ibarra? Hey, chaud, ma chabidule, là. On vous invite pour crever à la maison. Ben oui, viens manger. Viens manger. Sous le sunlight des tropiques, tu viendras crever, c'est pratique. On pourra réaliser l'aspiration. Qu'est-ce qu'il a, lui? Ah, il a mangé du sucre. Bichette, tu peux laver la gosse? Je la réveillais. Alors, ça vous dit de venir à la maison? Voilà, partagez.
Partager des astuces de Sim sociable, j'en veux bien, s'il te plaît. Oh, alors t'es tout triste parce que tu vas mourir? Oh, tu sais, il y en a d'autres qui sont passés avant toi. Fouffichette. Faire l'amour en musique. La mort te sera douce et joyeuse dans notre maison rose-orange, c'est ça. Je pense qu'ils vont mourir d'une crise cardiaque en voyant les coloris, quoi. Ils vont faire... Gotha. Ouais. Faudrait faire de la malice un petit peu quand même, tant qu'à faire. Hein? Tu vas faire les poches. On n'est pas contre de récupérer quelques simflouz au passage quand même. Mais vite une soirée. Non, non, mais tu dis pas au revoir. Enfin, tu dis au revoir seulement si tu meurs. Oh, un autre vieux, fais voir. Ça y est, c'est la folie des vieux. Oh, il est trop longtemps. Ouais. Oh, ce look. Oh, t'as bien changé, Caleb. Hein. T'as Géchant. Hein. C'est plus du tout ça. Hein. C'est pas Caleb. Calmez-vous, c'est pas Caleb. Mais il est parti. Pas grave. On va doubler nos chances avec les deux vieux là. Ouais. On noie le poisson, on dit des choses gentilles et en même temps on lui fait les poches. Et après on le met au congélateur. Oh bah, pff, on fera ce qu'on peut. J'ai déjà regardé le Vosim, s'il en reste un jour. C'est pour ça que je les ai choisis. Et voilà, niveau 9! Youhou! Ça va être bon ça pour une prochaine promotion. Hein. Ça c'est cool, mon petit. Regardez! Faut juste qu'il retourne. Ah, il travaille en plus! Il faut qu'il retourne faire créer un virus là. Allez, viens, tu l'invites à la maison. C'est pas grave. Tu dis discuter ici, comme ça ils vont venir. Qu'est-ce qu'il veut, le gamin là? J'allais dire faire crac-crac avec un des enfants, mon dieu. Ah mais il est là le vioc! Oh mince, ça... les assiettes ça pue un peu beaucoup quand même. Il y a tout qui a pourri. Les bagels ils ont pourri. Je vais débarrasser quand même. Qu'est-ce qu'il a l'autre là? Il va aller dessus. Et viens manger si tu veux. Voilà, tu viens avec elle et maintenant tu vas programmer mon petit. On va les enfermer à la maison. Programmer, créer un virus. Ouais. C'est bien la seule fois où j'aime les faire assister à un décès moi dans ce genre de challenge, c'est parce qu'il y a l'aspiration quoi. Qu'est-ce que t'as raté? Ah bah je sais pas. Bah non, invite à rester dormir, c'est en général quand il y a une interaction amoureuse. Là je l'accepte parce qu'il est en train de le troller en même temps. Elle est où la vieille? Elle est pas venue? Pas grave, on va garder le vieux. Attendez. Il est enfermé. Il est enfermé, le vieux. Ouais, faut pas déconner aussi, il va pas squatter les lits, hein, je vous le dis. Hein. Faut juste maintenant qu'il meure pas quand Copper n'est pas là, sinon c'est pas drôle. Il a compris qu'il fallait qu'il crève à la maison. Bah oui, il s'est dit, oh, tiens, on m'invite à boire le café. Toi, tu vas rester combien de temps là à rien faire dans le. Oh, elle a mis sa petite tenue chouchouk.
Elle est trop mignonne. Viens faire des câlins. Qu'est-ce que c'est? Parler. Tu peux faire des formes aussi. Éclate-toi. Lui, il est fatigué. Il est fatiguette. Elle va faire une sieste. Tu me diras 21h, c'est peut-être l'heure de dormir, mais je... comme ils sont décalés, les signes, je ne sais plus non plus. Bien sûr que mon autonomie est toujours activée. Toujours. J'aime pas avoir des robots, en fait. Dans un certain sens, ça en est dans les Sims. Mais j'aime pas quand ils sont comme ça et puis ils font plus rien. Bah, c'est pas logique, quoi. Si tu veux jouer... Enfin, je veux dire, nous, on n'a pas, on n'est pas comme ça. Enfin, si, ça arrive, mais... C'est bizarre. T'attaches pas trop, Emmanuela, hein. Il va bientôt passer l'arme à gauche, hein. Ça va, elle joue. Ça va, ils sont sages. Et lui, il se marre. Travaille dans 4 heures. On aura bien avancé en attendant. On a presque fini l'aspiration. On a atteint les objectifs de malice. De programmation. On avance tout doucement, mais sûrement. Et encore en faire, hein, par contre, la programmation pâtisserie charisme. Ça va être long. Ça va être très très long. C'est à qui que tu penses d'ailleurs? Est-ce que tes sœurs... Oh là! Oh Sunset, c'est quoi ce look? Ah non 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 non, ça ne va pas être possible. Bon, ok, ils se sont pas reproduits. Un petit Bordeaux. Attendez. Pepper, elle est là. Voilà, ça c'est la... notre arbre à nous depuis Pepper. On voit bien qu'ici, ça, c'est encore vivant parce que c'est chez nous. On a des descendants de chez Perle. Et des descendants de chez Mini. Vous pouvez me faire un résumé dans le chat du livre, je bug comme jamais. Qui? Quentin? Ah. Ben, je vous laisse faire, du coup. Mais toi, rends-toi utile, bon sang. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Allez, elle fait de la peinture. Vous la voyez pas. Regardez-moi cette gourgandine, là. Ah oui, moi, je mets de la peinture partout, c'est trop rigolo. Ah là 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 là, je fais de la peinture. Ah là 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 là, je vais bientôt me faire emplâtrer par Shirley. Oh, les beaux globes oculaires. Synthé. Donc, tu vas engueuler ta fille, c'est ça que je voulais faire. Éducation, discipliner, sévère, hurler. Ouais, parce que de toute façon, que vous voulez hurler ou dites gentiment, ils feront quand même des saletés. Donc. Moi, je hurle. Et elle fout de la... Bah là, Loulou, tu t'en sors, chérie? Et tchou-tchoum. Il faut juste que le salon, le vieux dans le salon meure. En espérant, il veut partir. On va voir si ça marche. Hein. Logiquement, bon, il va rester là un petit moment. Mais regarde, t'as à manger, t'as la télé. Qu'est-ce que tu veux de plus? T'as accès à la salle de bain, à la télé, à la cuisine. Moi, je trouve que franchement, avec un canapé... T'as pas à te plaindre. Mais tu fais quelque chose de ta vie ou quoi, toi? Ah bah dis donc, quand même, hein. Ah ça y est, c'est terminé, mais je laisse terminer son virus. Merci beaucoup, Anaerobie, pour ton follow. Bienvenue à toi. Salut Akane. T'étais mort de rire. Ouais. Ils étaient thugs lors des Lady. Ils étaient un petit peu remontés, un petit peu rebelles sur les bords quand même. Hein. Il y a des jours comme ça. Ah, Wazebot est enfin là. Youpi, il est arrivé. Attendez. Mais il nous repeint tout le sol, cet idiot-là! Oh, je peux le tuer! Allez! Allez, je peux le tuer, les enfants! T'es le fils de qui, toi? T'es pas de la famille? Je peux le tuer!
Dites, je peux le tuer. Il m'a repeint tout le sol, là. Je peux le tuer. Oh, j'ai quelques clics à faire. Ouais, mordre. Tiens, vas-y, va le mordre. Va le mordre. Après, je le tue. Va le mordre. Il va être comme son père, celui-là. Regardez-moi ce gars. Ça me fait penser à Tyrion. Ouais, lui, des fois, il fait pas exprès Tyrion, mais des fois, il me bouffe le... Bien fait. Casse-toi. Allez, mon petit, tu vas venir faire pipi. Non, non, t'as un pot. Oh. Par contre, ouais, va te doucher parce que là, ça va plus. Hein. Tu bosses en 46 minutes. Va te prendre une douche, Copper. Et puis, tu prendras un petit morceau de cake. C'est là, si tu pues. Vas-y, sors de là. Très bien. Au revoir. Ouais, c'est ça, au revoir, ouais. Garderie, ça coûte moins cher. Faut juste que lui... Oh, la poubelle. Faut juste pas qu'il claque en attendant. Hein. Faut être lent, faut être dispo. Oh, il est pas encore, crèche sous sa passe capa. Oui, mais quand même, il serait revenu, il aurait pas été bien. Et au boulot, il faut qu'il gagne... Ouais, ça, tu vas aller chez les bottes du patron. Faut qu'il gagne quand même des compétences, quoi, faire des trucs. Donc c'est quand même intéressant si... Ça va, tu t'ennuies, mon biquet? Oh, il s'ennuie. Stéphane Dubois. Est-ce que c'est un descendant de ton côté, Marie, tu crois? Parent Romain Dubois. Ah, il n'a pas de mère. Mais il a une femme, c'est dommage. Zéro en comptant, zéro jour bonus, hein. Ça devrait aller, hein. Crève pas tout de suite, hein, s'il te plaît. J'ai un objectif à faire. Dans ce temps-là, il bouffe tout. Ah, Alice Berry, elle est morte! On a misé sur le mauvais cheval. Suite. Et lui, il aime bien le truc... Mais non, maintenant, il est... Ça m'énerve. Ah, c'est l'été! Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont, les bichons? Bah, ils vont aller dormir. Toi, t'es où? T'as fait ton pipi? Tu vas aller sur le pot. Elle va dormir. Et après ton pot, tu vas dormir. Voilà. Elle, bah, toi, tu vas dormir direct. Jusque lui, ben... Faut juste qu'il gère sa journée, hein. C'est pas terrible, hein. Tu meurs? Ah non. C'était une fausse bonne nouvelle. Ah si, ça monte un petit peu quand même. Et 1170 simflouz. Bah, c'est pas mal ça, mon biquet. C'est pas mal du tout. Alors, pleurer. Bah ouais, va pleurer un coup et puis tu dors. J'aurais voulu faire crac-crac, mais... Ah bah ça y est, elle va vieillir, elle. Mais il est pas d'humeur. Où est-ce que tu vas pour fêter ton anniversaire, toi? D'accord. Elle veut pas qu'on la voie fêter son anniversaire. Voilà. Alors, viens pas te plaindre, hein, c'est pas moi. Hein. Donc, si t'as pas eu de gâteau d'anniversaire, c'est pas de ma faute. Puis tant que t'es debout, bah, tu feras le ménage. Qu'est-ce qu'elle a, celle-ci? Je sais même pas qui c'était, Berry. C'était un ami. C'est l'anniversaire des enfants! Youhou! Toi, tu peux partir, on t'a pas appelé. Sauf si tu veux mourir sur notre palier, à la limite, je veux bien, mais...
Sinon, c'est non. Ça y est, ça y est. Viens ici. Viens ici. Ça y est. Viens, viens. It is time. It is time. Dépêche-toi, Copper. Allez, je t'en prie, assiste au décès. Yes. Oui, oui, regarde, regarde, il est mort. T'assiste au décès. Oui. Ah, et oui, c'est une aspiration terminée pour Copper. Allez, hop, tu peux retourner te coucher. C'est bon, on n'a plus besoin de toi. Le pauvre vieux qu'on a séquestré. GG cop-cop. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon. Oh là là. Non, forcément, tous les gosses, y a plus rien qui va, quoi. GG Shirley. Oh, ça fait du bien quand même. Allez, tu vas l'enlacer tendrement. Elle pue en plus, la petite. Attends, elle pue ou elle. Ouais, tu vas aller changer la couche. Non, mais toi, tu t'en fiches. Tu veux pas assister au truc? Tu t'en fous. Réconforter. Voilà. Oui, non, mais on va pas faire considération pour le vieux, hein. On s'en fout un peu quand même. On peut pas changer sa couche? Je crois que c'est là-dedans. Changer la couche. Et après, il ira se coucher également. Bon, bah, c'était cool. Merci, monsieur Stéphane, d'être mouru chez nous. Aspiration, c'est fini, quoi. C'est une bonne nouvelle pour aujourd'hui. Au moins, une étape de terminée dans cette génération. Ah, je vous jure. Tiens, donne la couche à la... Ah, t'aurais dû la donner à la faucheuse. Ah, ma petite bichette, tu vas prendre une portion et tu vas être couchée. C'est bon, laisse ça tranquille. Allez vous coucher. Je vais redébloquer les portes à l'intérieur. Parce qu'au cas où, voilà. Au moins, on a quelque chose de fait. Et Bubble Town, coucou à toi. J'ai raté le décès, j'étais parti aux toilettes. Aïe aïe, bah ouais, il fallait. Tu sais, c'est furtif hein, comme truc. Hein. Ah, toi, je t'ai dit d'aller te coucher. Putain, va faire une sieste. Oh là 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 là. Oh, bichon. Ouais, toi aussi, va pleurer un coup, ça te fera du bien. Tu as faim, mon amour. Doudou, la faim. Mais Momo. Ah oui, mais attends mon cœur, ça fait pas tout de suite. Faut que je gagne du temps. Tu as faim? Mouche. Arrête de me regarder à travers les feuilles, toi. Baby. Des bisous, Linette. Bonne soirée à toi. Des gros bisous, merci d'être passé quand même. Merci, laissez faire. Bah sinon, vous avez toujours la rediff dispo sur, pour le samedi. Hein. C'est pas la même chose, mais bon. J'aime pas, ils sont chiants quand ils sont tristes. Oui, 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 je suis d'accord avec toi. Mais bon. On n'a pas trop le choix. Vas-y, va faire un câlin. Joue quoi, je sais pas, fais quelque chose de ta vie. Puis ils vont grandir les petits machins là. Ils clignotent, hein. Donc bon, on va les laisser grandir d'eux-mêmes. Hein, parce que, de toute façon, je pense pas que ça fonctionne non plus pour les bambins. Au niveau des anniversaires, donc... Tant pis que ça. Je suis en train de me dire, j'ai absolument pas sauvegardé, certes. Le jeu ne plante plus. Mais quand même, c'est pour une raison. Je préfère prévenir que guérir. Au moins, voilà, j'ai sauvegardé au bon moment. L'aspiration est enfin terminée. Et ça, c'est très bien. Pas de soucis, Quentin. Des bisous.
T'arrêtes de dire bonjour, mais non, tu dis bonjour si tu veux, Babbletown. Attends, y a pas de soucis, hein. Je préfère des gens qui disent bonjour que des gens qui ne le disent pas. Tu vois? C'est... Ah. Ah, le pain, il a pourri. Ah, le biscuit au sucre aussi. Ah, mince. Oh, flûte. Que vont manger ces petits enfants? Alors ça, c'était bugué la dernière fois. On verra. Elle va bouffer, après, il retournera se coucher. Le petit, bah, il peut venir manger aussi tant que je le sais sorti du frigal. Les petits chouchous. Oh là là, quand ils seront enfants et on aura la paix, ils iront à l'école, ce sera beaucoup mieux. Parce que là, toujours compliqué deux bambins en même temps. Voilà, pendant ce temps-là. Le festival se termine dans une heure. Attends, c'est un festival qu'il y a chez nous? Ah oui, c'est là? Ah oui, sacré festival, dis donc. Oh là là, la vieille coiffure CC Alpha. Il y a des enfants. Peut-être des bons partis pour nos enfants, non? Ils ont tous les yeux marrons. Ça va pas, cette histoire. Et trois enfants, trois yeux marrons, hein, quand même. C'est épidémique, hein. Tristesse. Hé, hey, Bichette, va te coucher. Ouais, on va mettre l'assiette. Qu'elle n'a pas mangé, donc ce plat est toujours buggé. Ok, d'accord, j'ai compris. Poubelle. Voilà, poubelle. 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 Ah, la poubelle. Enfin, l'assiette est restée dans le mur. Je jette tout parce que rien ne va. Donc toi, tu peux le laisser aussi. Tu peux aller au pot. Si t'arrives pas à remplir ton ventre, mais tu peux le vider. Ça fonctionne toujours pas mal. Et... Ouf, ouais. Là, du pain au levain dégueulasse. Si tu veux, tu pourras en manger un peu. C'est bien d'avoir des plats buggés comme ça. C'est pas comme si en plus ils nourrissaient un poil et après ça fonctionne plus. Non, ils ont jamais nourri qui que ce soit. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est merveilleux. Oh, ça commence à puer un peu pour Emmanuel, hein. Remarquez. Mais lui, nickel. Allez. Petit pipi, petite douche. Tu vas nous faire un bon petit plat de pâtisserie. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Une tourte à un fruit. Poire, cerise, fraise ou myrtille. Ouais, non, on a rien de ça. Des biscuits au beurre de cacahuète. Allez, Copper, lève-toi. Ouais, dégueulasse. C'est pas grave. Personne t'a vu. Ah, c'est cool d'avoir terminé l'aspiration. Le salon à la maison, bah, c'est Escapade. Vu qu'on est dans le coin d'Escapade, j'ai fait presque. Parce que là, les trucs des gamins, c'est pas du tout ça, mais bon. Alors, faut que t'en fasses la pâtisserie, mon petit. Hein. Ah mince, le tapis. Oh là là. C'est le prix de tapis qui bouge. Il casse 6, hein. C'est long, hein. C'est long, long, long. Ah, tu voulais pas manger les biscuits au beurre de cacahuète? Tu vas les bouffer. Décorer. Ah! Remange. Le gamin. Mange. Pourquoi ma souris, elle fait ça? Toi, tu manges. Toi, tu manges. Allez, hop. Des bons biscuits au beurre de cacahuète. Ah, ça me donne envie. Oh, je vous jure. Ça me donne envie. Tu vas jouer à Blick Block. Tu vas après discuter et troller les forums. Ah, il a pas encore commencé son virus? Oh là là.
Oh lolo. Super, compétence jeu vidéo. C'est mort, vas-y. Oui bah écoute, je fais ce que je peux pour te remonter. Elle est déjà partie, ok. Tant pis, voilà. Lui il joue. Qu'est-ce qu'il a? Ah oui, maman est partie, alors t'es tristesse. Et elle est dans un état. Viens bouffer avant de te mettre à la crèche parce que je pense que ça va être quelque chose. Je vais me laver, je reviens, soyez bien sage. Eh ben garderie, allez-y. Au revoir. Et toi, tu vas travailler dur. Bon, il est bien, hein. il est pas parti en mauvais état. Donc on peut espérer. On va attendre au moins que les gamins grandissent, hein, avant de nous quitter pour cet épisode. Au moins. Arrobas, il taille une fois les Sims frotte frotte. Frotte frotte. Alors, elle, ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, toi, tu fais quoi? Tu continues, ok, de ta vie. Toi, t'es là. Écoute, ma maman, elle va venir jouer avec toi. Comme ça, ça remontera éventuellement le moral de tout le monde. Jouer, voilà. Oh maman, tu fais un câlin. Et Moumouche, tu vas manger mon cœur. Voilà, regardez comme ça remonte son divertissement, elle. Et à lui aussi, c'est merveilleux. Un petit peu de bonheur dans ce monde de brut. Et dire que le coup de fait qu'elle fait ça avec le gamin, je fais la même chose avec Tyrion. Bah, pas à ce point, mais je le balade pas comme ça non plus, hein. Mais souvent quand il est par terre, je le chope par les fesses en fait et il pend. Moi je lui attrape l'arrière-train et sa tête elle pend comme ça et je lui fais des bisous sur ses fesses. Il a l'habitude, hein, depuis qu'il est petit que je lui fais ça. Oh, il aime bien. Voilà. Regardez-moi ça. Manipulation réussie. Eh hey, mais lui, je te jure, c'est un thug ce gosse. C'est un thug. Drôle, faire des grimaces. Ah, tu vas regarder la télé pour te détendre. Hey, tu vas parler des jouets. Je sais pas pourquoi ces gosses ils s'ennuient autant. Pourquoi ils s'ennuient autant? Ils ont jamais rien fait de leur vie ou quoi? Enfin, c'est compliqué quand même pour les gosses là. Ils ont rien fait de leur vie. Je dis n'importe quoi. J'adore cette action quand elle est buggée, c'est tellement sale. Oh, il y a plusieurs façons de bugger, hein. Des fois ça va. Et salut Alicia, comment tu vas? Oui, les bras tendus comme ça, ouais. J'ai vu, c'est celle-là que je vois le plus. Un moment, t'en fous, toi? Il s'en fout. Lui, il s'en fout. Qu'est-ce qu'elle regarde comme film? Après, si ça te saoule, tu feras le ménage. Bon, bah lui, il est retriste, hein. Il travaille sur d'autres projets. Allez Copper, ce serait cool une petite promotion, mais j'y crois pas. Hein. J'ai adoré si est-ce ta surprise quand Chantal disait voyez voyez. Voyez voyez, j'avoue. Voyez voyez. Bah, va faire une sieste, Jean-Guy. Il est fatigué lui. Ouais, mais il va faire une sieste. Toi aussi, allez hop. Ils sont aussi décalés que les parents en fait. Ah non, c'est les factures. J'ai eu peur. 789. Allez. Style de vie obtenu. Bourreau de travail. 1170. Donc non, on n'a pas eu. On n'a rien eu. Quelle tristesse. Tu vas prendre le courrier, tiens. J'avais même pas fait gaffe que c'était une... Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, bon, fais-le. Écoute, c'est pas grave. Rien même.
Pompe. Ah ouais, t'es fatigué. Bah vas-y, fais une sieste. Allez, gosse. Ils sont tous décalés. Les gamins, ils vont aller à l'école alors qu'ils seront complètement décalés, quoi. Ça va être beau. 375. Ça y est, c'est l'anniversaire. Ça y est, ils grandissent. Oh, bon, allez. On est lundi. Bah, tu veux pas grandir? Non, c'est lui qui grandit en prems. Attention. Ah oui, mince, j'ai pas calculé. J'ai pas... Attendez, je vais aller chercher les règles parce que j'ai pas retenu. Je n'ai point retenu. Et tout ce qu'il fallait faire. Gris, prune, orange, rose. On va pisser, Jean-Claude. Regardez-moi ça, ce petit bout de chou. Je suis complètement blanche là, je le sens. Tu vas aller où là? Quelle est? Elle dort. Il faut que son frère passe avant l'âge. Eh, ça galope, hein. Ah, ça galope à cet âge-là. Hein. Salut, Lys. Comment tu vas? Les joyeux anniversaires, les grumeaux. Elle... Ah, j'allais dire, elle a quoi, la saucisse? Elle a des lunettes. Mais il fait quoi? Il va où? Hop là! Un petit garçon qui est en colère parce qu'il est fatigué. Alors, le premier trait... Il faut... Alors, ils doivent être soignés, froid, créatif. Auteur de best-seller, carrière à faire. What? What? Oh, quel enfer! Compléter la collection des cartes postales. Je lis ce qu'il faudra faire à part la rose, parce que j'ai pas du tout regardé. Maximum dans la compétence écriture et bien-être. Avoir un jardin bien entretenu. Compléter l'aspiration auteur de best-seller. Quitter son job une fois adulte pour poursuivre votre rêve, crise de la quarantaine. C'est quoi le rêve? C'est quoi, c'est faire des bouquins? J'ai pas du tout lu. Ouais. En gros, soigner froid et créatif. Soigner froid et créatif. Ouais, de toute façon, je pense qu'il n'y a que soigner. Froid, on peut pas être froid quand on est enfant, mais on peut être créatif. Bah écoute, tu vas être soigné, toi, pour l'instant, et ta sœur, elle sera créative. En aspiration, qu'est-ce qu'on lui met? On mettra les deux la même chose pour les deux. Comme ça, on sera tranquille. Et salut, Jaro, comment tu vas? Je t'ai même pas dit bonjour, je crois. Je t'ai même pas vu. Ah, il est... Ouais, franchement, il est cool, hein, le challenge. Il est cool. Bah, à chaque fois, tu te dis, oh là là, l'objectif, il est ouf et tout. Et puis au final, bon, bah, t'y arrives, parce que c'est largement faisable, mais bon. Faut pas lâcher de vue qu'il y a des trucs à faire, quoi. Ça, c'est sûr. Motrice. Allez, motrice. Parti. De toute façon, on s'en fiche. À cet âge-là. Bon, et la sœur, tu te réveilles pour grandir, ma cocotte? Pourquoi elle grandit pas? Mon bichon, tu peux manger du coup. Hein. Fais-toi plaisir. Hein. Oh, il y a ta grand-mère qui t'envoie un cadal. C'est mignon. Pourquoi tu grandis pas, toi? Mais pourquoi elle grandit pas? Mais vous êtes des jumeaux, vous êtes censés grandir en même temps. Attends, tu veux que je t'aide? Tu vas aller là. Parce qu'apparemment, c'est là-bas qu'il faut grandir, donc... C'est quoi cette... Viens essayer. Mais fais le ménage, toi, bon sang! Qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? Laisse ta gamine tranquille. Ouh, là, 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 là. Peut-être tape une crise. Oh, et toi, je t'ai dit quoi? Va grandir là-bas. Allez, dépêche. Saleté. Bois. Ah, j'ai plus rien. J'ai plus d'eau. Oh, j'ai tout bu. Ah non, c'était pas de l'eau en plus, c'était du coca. J'ai la bouteille. J'arrive. Non, tu me vas pas vu, mais c'est pas grave. Ouais, mais quand même, je dis quand même bonjour à ceux qui parlent, quoi. C'est le minimum. Je t'ai pas vu. Je pense que t'as dû arriver quand j'étais à fond concentré sur quelque chose. Ce look. On ira le relooker, évidemment. À la tienne, Martial.
Tu grandis, Jacqueline? Elle veut pas grandir! Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est des jumeaux! Ils doivent grandir en même temps! Il a quoi le jeu? Il est fou! Il est fou! Moi je triche, hein! Qu'est-ce que vous dites, quoi? Ou pas? Non, on triche pas! Bon, écoutez. Je sais quoi, je sais. On va virer les lits. Comme ça, elle pourra plus dormir. Oh, quelle. Oh, bah, elle sera obligée de grandir, dit. Ah, oh, quel dommage. T'y étais presque et pourtant. T'as plus de lit. Alors, c'est un petit peu rose quand même. Ouais, mais j'aime pas. Ça, c'est pas terrible non plus. Hein. Ouais, j'avoue que je mets jamais de rose, donc. Je sais pas ce qui est en rose ou pas. Ah oui, il y a Cordélia. Bon, ça, ils sont quand même un peu laids. Ah oui, il y a ceux-là, ouais. C'est pas l'idéal. Hein. Ils sont quand même pas terribles. Hein. On va prendre ceux-là. Hein. C'est les moins pires. On n'oublie pas. Ah bah oui, il y a des petites. Oh, il y a des. C'est trop chouchou ça. Oh. Ça a rien à voir, mais je trouve ça trop mignon. Hop. On va mettre 3. Voilà. Je voulais mettre la lampe anti-monstre. Mais oui. Déjà, je vais enlever le rose parce que je suis sûre qu'il doit pas y avoir rose. On va mettre celle-là. Que les monstres. Hein? Je le connais. Voilà! Tu peux pas aller dormir, ma petite! T'es obligée de vieillir maintenant. Allez, viens, là. Ici. C'est là-bas pour vieillir. Le jeu, il a dit que c'était là-bas. Bon, bah, toi, tu prendras ce lit ici. Voilà, tribu à lit. Achamalaou. Papa, il dort, c'est bon. Elle fait le ménage. Elle mange. T'as encore plein de trucs à faire. Hein. Hop. Mais c'est une blague. Mais la gamine, elle va me claquer dans les pattes alors qu'elle doit vieillir. Pourquoi le jeu, pour des jumeaux, me dissocie les âges? Ah oui, les peaux. Oh mince. J'ai oublié les peaux. On va la faire grandir alors. Alors, notification, c'est pas ça. C'est commande. Anniversaire. Oh oh oh. Oh bah dis, elle est devenue enfant. Allez, elle sera créative du coup. Et créative, voilà. Hop. Quoi? C'était pas à toi de grandir maintenant? Bah vas-y, tu me nettoies ça. Plus vite que ça. Si tu veux, tu pourras prendre une portion et tu pourras aller te faire une sieste. Voilà. On va attribuer ton lit. Voilà! Et toi, va dormir aussi, tant qu'à faire. Il est 15h, tout le monde se couche. C'est n'importe quoi. C'est vraiment la maison où ils sont tous décalés, quoi. Elle se faisait... hein, elle est colère, quand même, la petite. Hein. Est-ce que, à qui tu vas ressembler? À ton père ou à ta mère? Oh la tête! Elle a une tête bizarre. Ah, elle est prématurée, hein, c'est pour ça. J'espère qu'elle sera pas trop dégueulasse. Hein. Ce serait dommage. Le jeu, il est tout cassé, c'est ça. Et lui, il se dit, ah oh, bah tiens, ma soeur va se coucher, bah moi je vais me lever alors. Hey, tu vas me faire le grand nettoyage. Voilà. Et après, tu feras regarder la télé. Ah, ça va être beaucoup plus facile à gérer hein, une fois enfant. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Tu vas regarder la télé. Tu vas faire tes devoirs. Allez, fais tes devoirs. Oh non, j'en ai marre des économies d'eau. J'en ai marre de ces plans d'action. J'ai qu'une chose à te dire. Je sais, je peux les désactiver. Je vais les désactiver tout de suite, d'ailleurs.
Ça me saoule. Gameplay. Non. Alors, activez votre DPNJ. Allez hop, zouz, j'en ai marre. C'est sympa pour découvrir, au bout d'un moment, c'est toujours les trucs les plus pourris en plus que je me capte, moi, alors ça me saoule. Hein. C'est après, ils vont nous couper l'eau, nanani nanana, moi ça me saoule. Voilà. Ils sont gentils, mais au bout d'un moment, zut, flûte mince. Hein. Ah, il n'y a plus rien à manger. Bah, tu mangeras ça un truc comme tu veux, je m'en fiche. Merci beaucoup, Laolo, pour ton follow. Bienvenue à toi. Ça, les gamins, ils vont s'occuper un peu d'eux. Oh, il est mignon. Il fait ses devoirs avec son super bonnet de la mort. Ah, quel look, hein, quand même. Hein. Je tiens à signaler qu'ils ont un sens du look assez hors du commun. Elle encore, ça peut passer, c'est pas choquant. Mais bon. Ah, ma biche, ils sont où tes... j'ai déjà paumé ses devoirs à elle? Mais c'est une blague. Mais ils sont où? Mais qu'est-ce que... Allez, tu donnes des devoirs à ta fille, tant pis, elle les fera. Hein. J'ai déjà paumé les devoirs de la gosse. Tout va bien, tout est normal. C'est quoi qui pousse là? C'est des patates! Mais c'est super parce que pour la génération rose, vu qu'il faut un jardin bien entretenu, et ben ils iront récupérer. Voilà, regardez-moi les belles tomates. Oh, des tomates et des patates, c'est bon, hein, vous pouvez vivre toute votre vie. Qu'est-ce que tu fais? Non, si tu fais à manger, c'est des pâtisseries, mon petit. Ah, et des bagels nature. Des bagels nature. Bon, il va aller au boulot et puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Travaille dans 4 heures. Toi, par contre, maintenant, tu peux faire le ménage si t'es... Tu seras mignon. Tu peux vider la poubelle aussi. Franchement, ça m'arrange. Tu peux regarder la télé un petit peu, si tu veux. Te remonter un peu le moral. Eh, mange, prends une portion. Regarde un peu la super télé là que... Bah, quoi, tu peux pas regarder la chaîne? Genre, tu peux pas regarder la télé qui est là. Bah, fais du zapping alors, je sais pas. Voilà, ça. Oh! Shame! J'ai peur. Shame! Shame! Et merci Maël Bénin pour ton follow également. Bienvenue à on toi. On relook les gamins après le live. Non, on les fera la semaine prochaine. Tranquille. Avant de commencer. Des momies. Des momies. Eh, ich liebe dich. Tu vas les programmer. Créer un virus. Allez, vas-y. Pour ton taf. T'as plein de trucs à faire. Jacqueline, bah tu fais ce que tu veux, mais voilà. Voilà, il commence dans une heure. Il aura peut-être le temps de faire tout son truc. Allez, allez, allez. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Oui, il a terminé. Signe si exactement ce que je voulais te faire sursauter, moi, je suis diabolique. Bah, voyons. Ben voyons, diablotin. Visage avec des larmes de joie. Allez, cop cop. Tu vas travailler dur. Comme ma... Oh, regardez comme ça a monté. Oui. Compétence logique. Ouais. Erreur journalisée, ouais. Elle est revenue avec 2212 simflouz, ouais. Par contre, elle nous ramène de la thunasse. Ça fait plaisir, quand même. Alors, par contre, si tu fous le feu... Je te défonce. I défonce you. Bah, c'est bien, mange. Cop, cop.
Promotion. Promotion canapé. Ouais, ouais. Ah, il est déjà 8h. Ah ouais, c'est vrai. Ah là là, il va nous faire une promotion. On peut viser la promotion. Et par contre, elle, du coup, elle va pas à l'école. Sakura ne va pas à l'école actuellement. Elle est buggée, cette pauvre gosse, hein. Elle est carrément buggée, hein, la gamine. Elle a pas de devoir, elle a pas d'école, elle est rejetée de la société. En fait, elle n'existe pas. En même temps, c'est vrai qu'elle n'existe pas, parce qu'elle n'était pas programmée dans le ventre de sa mère. Elle ne l'était pas. D'ailleurs, faut que tu payes les factures. Hop. Lumina. Oh oui ! Oh oui ! La promotion ! Oh, quelle belle fin ! Quelle belle fin d'épisode ! Oh oui, la promotion pour Copper ! Qui pue le beurre ! Oh la vache, il a été promu démon du net ! Donc c'est Spirit Box, écriture et température glaciale, évidemment, le démon. Soit il gagnera désormais 104 simflouz de plus par heure, soit 234 simflouz de l'heure au total. Et également reçu en bonus 4686 simflouz. Oh, po, ça c'est beau ça. Oh, quelle belle avancée aujourd'hui. On est niveau 9. On est niveau 9. Il va falloir qu'on gère la malice à fond au niveau 10 et monter la compétence de la programmation à 8. C'est impeccable. Bon, ça va être encore du taf, mais c'est très bien. Tu vas être peut prendre une petite douche. Ah là là, quelle belle fin. Je laisse prendre sa douche et puis on s'arrêtera là. Et la pauvre gosse, elle est oubliée du monde. La pauvre. Je suis tellement triste pour Sakura. J'espère que, ben, elle sera pas trop buggée, qu'elle ira quand même à l'école, hein, parce que c'est un peu triste. Elle est un petit peu tristesse, la petite. Ah, c'est pas grave, on a de l'argent. On est revenu... Regardez, il est tout nu. Ah non, il s'est rhabillé. Super. Franchement, super. Bah, non, écoute, tu vas aller... Bah, tu peux rien faire, en fait. Les factures. Bah, elles sont payées, les factures. Elle les a pas payées, cette idiote. D'accord, je lui demande de payer les factures, elle le fait pas. Tu peux me dire à quoi elle sert, la meuf ? À rien, évidemment. Tu peux continuer à créer ton virus et puis on va se quitter ici. Voilà, j'enregistre, on n'a pas eu de bug. Enfin si, à part la gamine qui voulait pas vieillir, mais super, aspiration terminée, une super promotion. On a déménagé. On est bon pour tout là. Il commence à avoir de l'agitation derrière moi, t'as les chats qui s'énervent là. T'as le Titi qui est là et t'as le Doudou qui est de l'autre côté. Allez moi YouTube, je vous fais des très très gros bisous. Merci d'avoir regardé cette rediff. J'espère que ça vous aura plu et je vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour la suite d'une autre Sauberry et d'autres choses sur la chaîne. Des très gros bisous. Ciao.